Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirkoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le règlement de l'événement camp d'entraînement de Fortnite Battle Royale. Alors c'est un événement qui est mis en place depuis aujourd'hui sur Fortnite. Alors c'est un événement qui va vous permettre de débloquer des V-Bucks uniquement si vous vous qualifiez dans les 20 000 meilleurs joueurs. Alors pour participer à cet événement, vous allez devoir vous connecter sur ce site, donc je le mettrai en description. Vous allez sur ce site, ensuite vous cliquez sur le bouton « Joindre » et là vous vous connectez avec vos identifiants pour vous inscrire. Dès que vous êtes inscrit, vous allez arriver sur votre page de profil comme moi et là vous allez devoir réaliser deux défis, qui est des défis du jour 1, qui est de jouer 60 minutes dans n'importe quel mode. Donc n'importe quel mode, ils disent le mode duo, solo ou squad. Donc c'est pas en fort d'empoigne, hein, c'est pas dans n'importe quel mode, c'est vraiment dans le mode duo, solo ou squad. Donc vous jouez 60 minutes dans l'un de ces trois modes là, ou dans les trois, hein, c'est cumulable. Et ensuite vous terminez votre défi numéro 1. Ensuite il faudra terminer le défi numéro 2, qui est de finir dans le top 6 en squad. Vous pouvez faire du solo squad, mais vous devrez obligatoirement être dans le top 6 pour valider le deuxième défi. Ensuite, il y a un troisième défi, mais ça c'est optionnel, c'est pour les créateurs, qui est d'éliminer 3 joueurs dans n'importe quel mode, donc le mode solo, duo ou squad. Donc voilà. Alors, le deuxième jour sera disponible demain à 10h. Alors, je ne suis pas très sûr de l'heure, parce qu'en fait, comme je traduis la page en français, là, il est marqué 10h AM, donc le 20 du 8 2020 à 10h AM, c'est une heure américaine. Donc je ne sais pas si ce sera vraiment en heure française. Donc c'est possible que ce soit il y a 18h demain pour en France, parce qu'il y a un décalage entre la France et l'Amérique. Alors donc je ne suis pas trop sûr. Pour celui qui peut me confirmer dans les commentaires l'heure exacte de la France, ce serait cool. J'épinglerai ton commentaire, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je crois que c'est 10h du matin, mais je ne suis pas sûr. Alors, le règlement, il est marqué ici en haut à droite. Donc, quand vous cliquez ici, il est marqué, donc on va le remettre en français. Il est marqué, les participants s'inscrivent sur le site web, comme je viens de vous le dire, et ils reçoivent les défis qu'ils doivent relever dans Fortnite. Donc, comme je vous l'ai expliqué, une fois tous les défis quotidiens terminés, le défi final est déverrouillé. Donc, quand ils disent tous les défis quotidiens, c'est le défi jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4. Donc, voilà, il faudra faire le jour 1, 2 et 3. Donc le 3, donc ça fera demain jour 2, vendredi jour 3 et dimanche et samedi on débloquera le défi final. Donc pour l'instant il n'est pas encore disponible. Alors écoutez bien parce que c'est là que c'est important, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous classer. Donc dans le défi final, un joueur obtiendra des points pour chaque action en jeu, par exemple un match joué ou une élimination. Donc en fait on va recevoir un défi final. Je ne sais pas si le défi final, ce sera, je ne sais pas trop ce que ce sera. On va recevoir un défi final. Mais en plus de ça, pour augmenter nos points, il va falloir faire des matchs. Il va falloir faire des éliminations. Peut-être ouvrir des coffres. Peut-être pêcher des poissons. Toute action, parce qu'il est bien marqué, chaque action dans le jeu vous rapportera des points. Et les 20 000 participants ayant obtenu le plus de points recevront des prix. Alors de plus, tous les participants qui se sont rendu au défi final recevront le spray Cab Lama. Donc tous ceux qui auront débloqué le défi final ici, ben vous obtiendrez automatiquement le spray que vous voyez juste ici. Ok, donc moi je vous avais dit dans ma première vidéo, c'est pour ça que je vous refais une deuxième vidéo parce que comme je me suis trompé, moi je croyais que la base c'était de faire les défis le plus rapidement possible. Donc dès qu'ils étaient disponibles, il fallait le faire le plus rapidement possible pour être classé. Mais en fait rien à voir. Faut faire les 3 premiers jours de défi pour débloquer le défi final et ensuite gagner des points en faisant le défi final et en jouant des matchs et en faisant des éliminations pour marquer un maximum de points. Alors les récompenses, c'est ici. Les récompenses, vous débloquerez pour la première place 2500 V-Bucks. Donc, je vais le remettre en anglais. Voilà. Et pour la 10 000e place et jusqu'à 20 000 places, vous débloquerez 200 V-Bucks. Je pense que 10 000 et 20 000 places, je pense que 20 000 places, je pense que c'est assez réalisable. Après, pour être dans les 5 et 10 000, ça va être compliqué. Puis après, les 500 et 5 000, ça va être compliqué. Mais bon, plus vous êtes bien placé,
plus vous gagnez des V-Bucks. Regardez, vous pouvez gagner 200, 250, 300, 500, 800, jusqu'à 2500 V-Bucks. Mais pour ça, il va falloir tryhard. Il va falloir tryhard du 22, imaginons que c'est à 10h du matin que les défis sont disponibles. Donc du 22, 10h du matin, donc samedi 10h du matin, jusqu'à dimanche 20h. Pourquoi je dis 20h? Parce que regardez, l'événement se terminera dans 4 jours et 1 minute. Donc 4 jours, 1, 2, 3, 4, ce sera dimanche à 20h et 2 minutes. Et à ce moment-là, il y aura sûrement le classement qui sera officialisé. Et là, vous toucherez vos V-Bucks si vous êtes bien classé. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo aura été plus claire que ma vidéo précédente. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai refaite, hein, pour que la vidéo soit un peu plus claire et que vous sachiez exactement ce que vous devez faire pour être qualifié et gagner un maximum de points le jour du défi. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.